Passion, mes chatons, c'est chicouette. Oula, je vais vraiment fatiguer. Hein. Et là, on se retrouve pour le vlogmas du jour. Dis donc, j'ai pas du tout bugué encore. Mais il s'est rien passé aujourd'hui, spécialement. C'était une journée normale. Voilà. Donc, hop, je tire au sort le gloss du coup. Comme 2 de la marque Goodie Box, hein. Enfin, de la marque Comme 2, sauf que c'est la marque Goodie Box. C'est mieux dans cet ordre-là. Et du coup, c'est la teinte Peach. Je savais même pas qu'il y avait une teinte. du coup, comme ça. Salutations. Voilà. Alors, et ben on commence direct. Alors, adopte. Bon, adopte, c'était. La case était un petit peu cassée, donc le produit n'arrêtait pas de tomber, donc j'avais pas besoin de. J'ai pas besoin d'ouvrir. Mais j'ai voulu faire montrer comme d'habitude. Donc du coup, on retrouve. Voilà, parce que dans la case numéro 11, il y avait. Du coup, un vernis qui était le petit bout était cassé, et là on retrouve un autre vernis dans la case 21. Hop, et du coup, là prenez une couleur, je crois que c'est la même chose. Et du coup, la teinte, c'est la teinte Léonie numéro 60. Regardez-moi cette pépite. Donc je dis oui. Hop. Alors. Blissime. Ah si, oui, je me suis gourée encore. Dans, je sais pas pourquoi, mais le Yves Rocher, j'arrête pas de me tromper. J'ai ouvert la case 21 au lieu de la 20. Donc bon, bah vous savez ce qu'il va y avoir dans la case 20 aujourd'hui. Et comme ça, vous êtes un peu spoilé pour la case d'aujourd'hui. Par rapport à hier. Donc c'était un. Oh, c'est tout petit ça. C'est tout petit. Alors c'est le fameux baume à lèvres de la marque Carmex. Ça fait. Le nom, ça fait quand même un nom de. D'un préservatif, un truc comme ça. Ou d'un. Un lubrifiant. Hop. J'avais pensé à Durex en fait. Pardon. Enfin non, pas pardon. Hop. Voilà, très classique. Il sent bon. Alors, apaise, protège et hydrate. Ah bah c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Je dis oui, après c'est une case pour mettre pour remplir une case quoi. Hop, les Gustavox. Ah, je me suis pas gourée de toute façon. On est d'accord, oui. 21. Voilà. Hop. La 22 normalement elle est pas là. Non, ah, ça sera l'autre partie. Ok, donc là, c'est la marque Chocolat Maté ou Matèse depuis 1934. The French Test. Donc, du coup, cacao, truffe ou caramel. Ça a l'air d'être trop bon. Je valide déjà quoi. Alors, la marque Matèse, voilà. Alors, 4 euros le sachet. Ça fait cher hein, pour le. Oui. Alors, les mini sachets Snacking The French Tête. Joue la carte 100% français. Un packaging qui s'inspire des codes culturels
et gastronomique de notre pays mettant en avant la fabrication française de son produit. Un format nomade qui s'inscrit parfaitement dans l'univers du prêt-à-emporter. Oui. À consommer sur place. Oui. Le sachet vous accompagne toute la journée grâce à ces 6 petites truffes proposées dans un emballage design. 2 recettes de truffes fantasy au cacao noisette, et caramel. Le tout décliné aux couleurs de France. Un sachet par box. Noisette ou caramel? Bah j'ai reçu caramel. Trop bien. Et l'autre, le sachet était rouge pour la noisette. Voilà. On continue. Pour le glossy box. Oh, ça se voit que j'ai mal. Ça se voit que je suis fatiguée là dans ma voix. Ma voix. Oh, c'est une grande case. Aïe. Est-ce que la case est respectée en termes de produits? C'est ce qu'on va voir. Ouf, je crois pas. Hein? Je le vois même pas. Je l'avais dit. Hein. C'est abusé, ça, par contre. C'est tellement abusé. Je crois que ça forme quelque chose quand tu les retournes, les caisses. Quoi, j'en sais rien. C'est la marque Espa. Il me semble que c'est une marque qui coûte cher. Et du coup, là, nous avons quoi? Ah, un exfoliant de nuit pour une peau rayonnante, affinée et pleine de vitalité. 15 ml. Oh la vache, le produit n'est pas rempli. Ah, hashtag opercule. Bon, alors, attends, le temps que j'utilise ça. Hop, alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Pour ma femme, je reçois la marque Espa. Pour ma part. Alors, ah, on avait déjà le choix entre eux. Entre, du coup, la crème de nuit ou voilà ou qu'est-ce qu'ils disent, ah, un masque isotonique. Je sais même pas ce que c'est qu'isotonique. Bon, il y a de l'hydratation dedans, donc ok. Donc moi j'ai reçu donc le Overnight Glow Enzyme Peel. C'est un full size. De toute façon les deux produits étaient full size. Bah putain. Alors, un teint lumineux au réveil, c'est possible avec le masque enzymatique de nuit signé Espa, un swapping riche en nutriments essentiels qui régénère, affine et illumine le grain pendant que vous dormez. Alors, je ne sais pas si c'est les deux produits qui coûtent le même prix, parce que là, il est marqué 54,15 euros. Donc voilà, hein. Hashtag on est heureuse. Nanani, nanila. Le bleu de l'infini. Pourquoi je suis en tête? Hop. Alors on continue. Ah ouais, car Joël Condal. Ça sent un pain. Je suis fatiguée. C'est pas gouré là. 21. Oh, c'est tout. Ah oui, je sais ce que c'est, du coup. J'y vois que d'un. Bon, je sais que c'est à 15h01. Ah, c'est le fameux sac. Voilà. Ça sent un petit peu, mais est-ce qu'il faut le vaporiser un petit truc
dessus, je ne sais pas. Et du coup, Kinder. Ah oui, c'est vrai que ça fait de ce que. Ah, c'est pas un Père Noël là, c'est un. Qu'est-ce que c'est que ça? Un écureuil? Oui, c'est un écureuil, mais là, ouf. Il me semble. Voilà. Je crois que c'était un Père Noël, puisque la case 10 c'était un Père Noël. La boutique de Scarlis, du coup. Restait 3. 22, on prend le 4. Je crois que c'est le calendrier qui a pris le plus cher et c'est le plus petit. J'aime bien, c'est un blanc, hein. Il sent bon. Il sent bon le parfum. Nestlé. À ma faute, je prends les deux. Oh, fait chier. Pourquoi ça pouvait pas être un orange là? J'aime les deux, donc ça me fait chier. Bah oui, c'est framboise. C'est la gamme Ritual of Mer. Et du coup. Et. Attends. Crème pour le corps riche et nourrissante. Alors. Celle-là. Ah non. Celle-là. Je vais voir avec ma soeur si elle la veut. Et si elle la veut pas, je donnerai. Ça sera pour vous du coup. Mais moi, c'est la même odeur que la gamme Happy Buddha et j'ai moins aimé la. Enfin, c'est la même. C'est une bonne crème. Hein. Sauf que l'odeur, je peux pas. L'odeur, je peux pas. Donc voilà. Pour l'instant, c'est la seule gamme que j'arrive pas du tout. The Body Shop. Ça va, la case elle est là. Des fois ils sont difficiles à ouvrir, enfin, à prendre. Et du coup ça dessine rien du tout derrière. C'est la gamme rose britannique. C'est l'envers, c'est comme ça. Voilà. Et du coup, j'ouvre la
corps de vin, hein, faut que j'oublie, d'une rochelle. J'ai bugué du slip. Hop, je sais ce que c'est. C'est le shampoing douche douceur. Oh mon oeil. Voilà. J'ai bugué, mais je sais pas pourquoi ce calendrier là. Déjà deux fois je le fais tomber. Normalement dans la case d'aujourd'hui ça aurait pas dû être ça, ça aurait dû être ce que j'ai reçu hier du coup, le CTML là. Bon, normalement ça c'est bon. Allez. Voilà. Hop là. Alors bah du coup, alors c'est allez, on va dire que c'est une bonne journée. Ouais, il y a juste le rituel qui même le dieu welcome de l'eau. Alors attends, je dirai après. Donc adopte bah, le vernis, bah je dis oui. Je blissine le baume à lèvres. Ensuite, Degustavox, je dis oui. Glossybox, je dis oui. Bon, un full size, ça me paraît petit pour un full size, pour ma part. Et c'est cher, quoi. Jewel Candle, alors si c'est un truc en rapport avec... je vais y arriver. Hein. Pour parfumer un truc, ok. Mais si... si c'est pas un rapport genre à mettre dans le sapin, quel est le rapport avec avec les bougies et tout le bordel. Donc ouais, 200 balles je rappelle les prix du calendrier. Kinder, bah je dis oui. Scarly, je dis j'aime bien l'odeur, donc ouais. Bah Nestlé, oui. Ritual, oui pour le produit mais non pour la gamme. Parce que c'est la... je suis sûre que c'est la même gamme. Bon, bref. Du coup, The Petit Shop, je dis oui. Et Yves Rocher, je dis oui. Donc vous voyez, voilà. Donc il y a peut-être un produit qui va être pour vous. Voilà. Et donc, hop, on fait partager les copines des Vlogmas. Du coup, qui font des Vlogmas, pardon. Alors, Amélie de la chaîne Amen Love, Oriane de la chaîne Beauty Gold, Nadège de la chaîne Dans ma bulle, il y a Laurie de la chaîne Laurie, Séverine de la chaîne Les vidéos de CC, Sandy de la chaîne Mylène Paillette, Laura de la chaîne Alora Bora, Beverly Anne de la chaîne Chicouette, ça me fera toujours rire, et Sylvie de la chaîne Beauty Test Addict. Voilà. Et du coup, voilà, bah, la vidéo est terminée. Hein. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. N'oubliez pas de faire un petit like, un commentaire et à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Et on se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas. Je sais pas à quelle heure il va sortir celui de demain. Je précise. Celui de ce soir, ouais. Si je m'active la nuit... Voilà. Voilà. Merci.